Yo tout le monde, c'est Sophie. On se retrouve aujourd'hui pour faire la suite de notre let's play sur Dragon Quest Builders 2. Donc la dernière fois du coup j'étais arrêté juste ici, j'ai pas bougé depuis la dernière fois. Alors du coup on va creuser, parce que comme il l'a dit, on peut creuser un trou, on peut faire un. Donc on va creuser dans la terre. Ah, c'est la terre auquel. Donc je pense que ça va prendre un petit moment de faire un trou. C'est pas lui qui faisait des gargouilles, mais ces horribles créatures. Qu'est-ce qui fabrique ça? Peu importe, il faut qu'on s'en débarrasse. Deux ou plus vite. Ouais, bah, il va falloir aussi. C'est bon. On est un petit peu près. On va bien le creuser là. On va bien venir, on n'a pas trop mal. Attends, on va essayer de ça, je vais faire ça. Ah. J'ai découvert d'où vient cette drôle de gargouille où elle était coincée à la terre. Me voilà rassuré. J'ai peur qu'on tombe sur des monstres privés. Tu peux continuer de creuser ta vie à ta vie. Boudiou. On a notre propre casse-tête. On a aussi tout quoi. Alors c'est bizarre parce qu'on est toujours à 80% et pourtant on dit que je sais ce qu'il y a à faire. Bon, attends, on va finir notre travail.
Ouais, parce qu'il y avait un trou, c'était pas très bien. Les rivières se rejoignent et s'aiment. Bonjour. Je veux admirer cette cascade dans toute sa splendeur. Alors on devrait descendre pour rejoindre les autres pour voir ça. Cette nouvelle rivière est magnifique. T'as fait des miracles déjà. C'est vrai, ce nouveau cours d'eau dépasse toutes les attentes. Attends, je sens une drôle d'aura se déplacer en travers. Là. D'accord, on bosse. Des crabes, d'immenses crabes déboutants.
Ils ont cru qu'on allait les laisser faire une tempête entre étangs. Hein. Fais attention aux étangs. Et évite de te faire pincer. Et arrête de discuter et débarrasser nous de l'exige des pinces de crabe vapeur pour le dîner. En plus, c'est vrai, on se parle. Étant ma route. Essayez de merci. Et vous êtes occupé de ces satanés. Que c'est assez. Je me demande pourquoi ils en pincent autant pour nous. Ne regardez pas comme ça. C'est une blague. Hein. Par la meilleure, c'est vrai. Mais je pensais que ça va. Que ça vous ferait rigoler. En revenant à des choses plus sérieuses, il y a pas mal de monde sauvage et plein, hein, des gluants, des fourmis de fer, des leçons et tout le temps. Je ne crois pas qu'il soit de mèche avec les héritiers de chaos, mais il représente une menace malgré tout. Il faut qu'on reste sur le gars. Heureusement, on a Malrod pour nous protéger. Sans toi, on leur aurait servi de repas. Tu n'es pas un bâtisseur amené, mais tes prouesses au combat sont incroyables. Moi, te protéger sans façon, je réveillerai uniquement sur mes amis. Pas sur un gros barbu dans ton genre. Ça suffit tous les deux. Retournons admirer notre magnifique rivière. C'est tellement beau. Ah, par contre, on s'est foutu. Il faut juste que je remette de l'eau et après c'est bon. Sans toi et ton enfant magique, les grands, il ne serait jamais arrivé. Et avec mes conseils avisés, évidemment, c'est grâce à mes recherches qu'on n'a pas eu une rivière, mais deux. Je ne sais pas si c'est ta grosse barbe mal lavée qui m'a fait douter de toi au début, en me disant qu'il y a un brave homme, finalement. Ici que nous commençons, quand je vois toutes ces tours, j'ai envie de voir des champs et des fermes à exploiter à perte de vue. Je sais qu'il va pouvoir s'occuper de sa détente. Le sœur en chef de Lubuland m'invite par excellence. Alors qu'est-ce que j'ai fait?
Nombreux objets de forme. La pratique. Oh. Tu as remporté un nouveau défi. Et partir en bateau. C'est bon, faut pas mais. Pas mais. Un mini médaille. Yaha! C'est tout pour l'instant. Tu as fait des miracles avec la rivière, mais on a encore du pain sur la planche avec le travail. Léandric, Mévin et Annette ont formé une sorte de comité des forêts qui devrait aller aider aussi. Bon, oh, c'est pas trop tôt parce que là, je suis en train de... Oh. Je remets de l'eau parce que là, je suis en train de... Cesse de faire aussi la forme de forêt. Faut se créer une forêt. Ah non, d'accord. Alors par contre, faut être vraiment parce que là, je suis un peu dans le monde. Donc, du coup, ce qui veut que je veux faire, c'est que je vais continuer à mettre l'air partout. Ah oui, c'est vrai. Créer une forêt, il y a 4 sur 5. On n'est pas loin de la rue. Et je m'en souviens, je m'étais arrêté la dernière fois. De toute façon, on était encore obligé de s'arrêter parce que c'est déjà la fin de la vidéo. Et ça passe vite en même temps. Je vais avoir de la nourriture parce que il n'y a pas encore envie de la nourriture. Et ben, il va falloir faire une cuisine temporairement. Il va falloir faire une cuisine. Ouais, comme ça sert avec ça. Alors, pour fabriquer une cuisine, aussi, on va fabriquer un truc de cuisine. Bon, comme ça, si jamais on veut faire quelque chose, on peut faire quelque chose. On peut manger. Par exemple, dans ce cas, on peut faire quoi? Alors demain, la première chose qu'on va faire, c'est finir, créer une forêt. Comme ça, on aura déjà fait la forêt la prochaine fois. Elle va pas, il y a une pince de crabe. C'est super. En vrai, ça doit être super bon, la pince de crabe. En vrai, moi, j'en ai déjà mangé des pinces de crabe, en vrai. Et c'est trop bon. Alors je ne sais pas qu'à sur scène ça correspond à combien de compost voisin on va fabriquer deux. Alors du coup on va se quitter ici et la prochaine fois
simplement à poser le coup. Donc à demain, c'était sur le champ.